Alors nous avions vu dans Aider vos membres à prendre des initiatives que lorsque vous les aidiez à organiser leurs propres ateliers, eh c'était particulièrement efficace. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de rencontres Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir les rencontres de communauté. Alors il y a différents types de rencontres, hein, on l'a vu, donc il y a à la fois... Bah, on a tendance à avoir tout centralisé et de tout mettre dans les mêmes rencontres, c'est-à-dire en fait on organise par exemple une fois par mois une rencontre avec les thèmes et puis des échanges, etc. Mais finalement, eh bien, on va plutôt distinguer les ateliers. Alors les ateliers, eh bien, en général, le mieux, c'est qu'ils soient animés par les membres eux-mêmes. Là, on va travailler sur une thématique, et puis bah, tout le monde ne va pas forcément venir, puisque finalement, il y a des thématiques qui intéressent certains et d'autres non, mais plus vous aurez de thématiques différentes, plus vous aurez de membres de la communauté qui auront des chances de participer à des rencontres et puis à côté de ça eh bien on va avoir besoin des rencontres de communautés et donc on va faire quelque chose d'un petit peu différent on va faire des, on va permettre des échanges transversaux entre les ateliers pour que les personnes ne restent pas simplement dans leur thématique hein. et surtout eh on va faire émerger des nouveaux ateliers des nouvelles personnes pour les animer. Alors comment ça se passe une rencontre de communauté eh ben, généralement, on en fait allez, une par mois à peu près, en plus des autres rencontres. Donc vous pouvez très bien avoir des rencontres euh, d'ateliers, euh, plusieurs, même pourquoi pas par semaine, et les gens viendront peut-être à un, deux ou trois par mois euh, suivant les thèmes qui les intéressent. Et puis une fois par mois, eh ben, vous avez les rencontres de communauté, et puis vient aussi qui, qui est intéressé, pas forcément tout le monde, mais ça ne pose pas de problème. Mais on va fixer la date et puis on va inviter. Donc c'est à vous d'inviter là par contre pour être sûr que effectivement vous ayez ces rencontres de communauté. Alors, elles peuvent être animées de façon très différente, puisque en fait là on va avoir plutôt les plus proactifs, les plus actifs en fait de la communauté, ceux qui ont déjà animé des ateliers, ceux qui s'intéressent à ce qui se passe. Et donc, ben vous pouvez les, les animer vous-même, hein, mais vous pouvez avoir quelqu'un d'autre qui les anime. Ça peut être une animation tournante ou même, ben, finalement, quand vous mettez les gens très très actifs ensemble, ben, ça peut s'animer aussi assez facilement tout seul. Donc euh, vous choisissez effectivement euh, comment vous voulez animer la, ces rencontres. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ces rencontres Alors elles sont plus informelles, on ne va pas produire des choses, on ne va pas travailler sur une thématique particulière, mais on va plutôt présenter ce qui a déjà été fait, les différentes thématiques. Et donc l'idéal, c'est de demander, alors aux animateurs des ateliers s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, bah, ça peut être une personne présente lors de la rencontre, ou sinon, eh bien vous pouvez déjà citer au moins le, la thématique, ce qu'il y a eu lieu, et pourquoi pas la ressource qui a été produite. Alors on va identifier aussi, ben là ça va être intéressant, des nouveaux thèmes, hein, puisque en fait l'objectif c'est de euh, garnir votre panier si vous voulez pour le mois d'après avoir des nouvelles personnes qui vont animer des choses. Alors si vous demandez aux gens euh, qui veut animer un atelier, ben, la réponse ça sera personne. Par contre si vous commencez à demander euh, qui est intéressé, alors quels sont les thèmes qui vous intéressent? Vous allez avoir des personnes particulièrement intéressées et puis qui vont vous dire Ah, bah tiens, oui, ça serait vraiment bien qu'on ait un atelier là-dessus. Alors, vous pourriez lui dire Bah pourquoi pas, euh, vous pourriez la, la, tu pourrais l'animer toi-même. Alors, la personne va dire j'ai pas beaucoup de temps. Alors, on a déjà vu des méthodes d'atelier qui ne demandaient pas plus de temps à animer qu'à participer. Et puis, elle va vous dire Peut-être, bah, je ne sais pas trop faire. Et bien, vous pouvez la mettre avec quelqu'un qui sait un peu plus faire ou alors avec vous-même éventuellement. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, à la suite simplement donc d'abord commencer par le thème et ensuite bah, animer, savoir qui va animer cet atelier et puis quand fixer une date tout de suite, de manière à ce que l'on ait effectivement notre programme du mois euh, qui apparaît comme ça euh, là-dedans. Donc on va avoir un, deux, trois, quatre, cinq. On peut avoir euh, j'ai des groupes où il y a même plus qu'une une vingtaine d'ateliers dans le mois, et c'est très bien, puisque en fait on va avoir des invitations très très courtes, des notifications, donc euh, qui ne vont pas encombrer trop les boîtes aux lettres, mais eh ben, sur les 20, on est sûr d'avoir au moins un, deux ou trois, trois choses qui vont nous intéresser énormément dans le mois, et tant mieux. Alors à vous de jouer. À vous de jouer. Vous allez donc inviter régulièrement à des, des rencontres de communauté en plus de vos ateliers thématiques qui sont animés pas forcément par vous mais aussi par vos membres, hein, pour, pourquoi pas. Mais vous allez inviter aussi à des rencontres de communauté pour faire émerger des nouvelles choses, hein, pour permettre les échanges transversaux, hein, donc pour savoir ce qui s'est passé évidemment, mais aussi pour avoir la liste des prochains ateliers et puis hein, donc vous repartez avec une liste de thèmes, animateurs et dates. Vous pouvez éventuellement avoir d'ailleurs deux ou pourquoi pas trois animateurs pour un atelier particulier s'ils sont plus en confiance, si vous mettez quelqu'un qui s'est un peu plus animé, à quelqu'un qui est intéressé par la thématique mais qui n'ose pas trop pour la première fois. Et donc, et bien, comme ça, vous allez pouvoir effectivement organiser votre rencontre de communauté. Et ça va être un moment, effectivement, où on va permettre de découvrir qu'il s'est passé plein de choses et puis préparer la suite. Alors vous pouvez aussi donc comme d'habitude eh vous commenter, mettez-moi comment vous mettez ça en place, est-ce que vous mettez déjà en place des rencontres de communauté Si vous ne l'avez pas encore fait, racontez-moi votre première rencontre de communauté dans, le, dans les commentaires. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être premier des prochaines vidéos. Vous pouvez également liker, ça aide énormément ces contenus, hein, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur les réseaux sociaux, sur mon blog, sur YouTube ou sur les, tous les blogs amis qui republient effectivement ces vidéos. Et puis, ben, vous pouvez télécharger aussi le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.